Donc, j'espère que vous voyez mon écran. C'est bien visible. Affirmatif. Merci beaucoup. OK. Donc, la session va commencer avec l'application visualiseur de données. Donc, je vais vous présenter le visualiseur de données, à quoi ça sert et comment l'utiliser. OK. Donc, les objectifs pour cette section sont premièrement pouvoir savoir à quoi correspond l'application visualiseur de données dans les DHUS2. OK, cinq fonctionnalités. OK, pouvoir maîtriser l'interface que cette application nous offre dans le DHIS2. Donc, savoir comment manipuler les graphiques, comment créer les différentes charts et comment les designer pour avoir un bon rendu et pouvoir faire une bonne analyse. Donc, savoir que, il y a des limites, okay? Il y a des limites sur l'application visualiseur de données, surtout comparé au rapport d'événements. Donc, hier, vous avez vu le rapport d'événements avec Diri. Donc, sachez que le visualiseur a certaines limites, okay? A certaines limites qu'on verra plus haut. Donc, sachez que le visualiseur d'événements, OK, est une application qui permet de représenter les données d'événements. OK, donc en données d'événements, on en groupe tous les événements qui sont sur un programme d'événements ou soit sur un programme tracker. OK, donc l'analyse se fait sur les deux programmes. Donc, je répète, le visualiseur d'événements est une application qui permet de visualiser les événements, okay, les événements en graphique. Donc, cette application est un peu similaire, OK? Et elle est un peu similaire le rapport d'événements, le Event Report que vous avez vu hier. Donc, sachez que le rapport d'événements n'est pas aussi loin du visualiseur d'événements, puisque le visualiseur d'événements vous permet de faire des représentations graphiques. Okay? Donc, ça permet de faire des représentations sous forme de graphique en choisissant le type de forme que vous voulez. Donc, le visualiseur permet de faire des analyses sur des éléments de données, okay? Bien sûr que sur les indicateurs, comme vous l'avez vu sur le event report, sur le rapport d'événement. Okay? Sachez que vous pouvez appliquer les filtres, okay, sur les options, les options sur les éléments de données, de même que les filtres sur les éléments de données de type texte, etc. Sachez qu'il y a des limites, je l'ai dit plus tôt. Donc, on va voir ces limites en long et en large. Mais le premier à être utilisé est que le visualiseur de données ne vous permet pas de choisir deux étapes, OK? Deux étapes comme le rapport d'événement le fait. Donc, en rapport d'événement, vous avez vu que lorsque vous avez choisi le programme, vous avez la possibilité de prendre deux étapes et choisir leurs éléments de données. Tandis que dans le visualiseur, on n'a pas cette opportunité de choisir deux événements, OK? Donc, dans le visualiseur d'événements, okay, vous avez la possibilité, une fois le graphique créé, de l'enregistrer. Donc, comme toute application d'analyse dans le DHIS2, vous avez la possibilité d'enregistrer votre travail dans la partie favori. Donc, le visualiseur d'événements aussi nous offre cette opportunité d'enregistrer le graphique et ensuite de le télécharger. OK? Et vous pouvez aussi ajouter ces graphiques sur vos tableaux de bord que vous aurez à créer. Vous avez aussi la possibilité de partager aussi ce graphique-là avec les autres utilisateurs qui sont dans le système. OK, donc les grands éléments phares de l'application visualiseur de données,
On aura les visualiseurs d'événements, pardon, on aura à le voir dans la partie démonstration, mais sachez que les grandes parties sont premièrement la partie où on choisit le programme, ok? On choisit le programme et ensuite les éléments de données. Donc, on a après la dimension où on doit choisir les éléments de données ou soit les attributs. Les indicateurs, ok. Ensuite, on a la partie de période ou la période choisie pour faire l'analyse et l'unité d'organisation en question, ok. Mais notez que avant de commencer la création, avant de choisir les dimensions pour avoir une vue, vous devez avoir déjà l'idée sur le type de graphique que vous voulez représenter. Donc, vous devez choisir le type de graphique. On a différents types, on a qui donnent de différentes formes. OK, donc on aura à le voir dans la partie de démonstration, mais sachez que voici les informations ou soit les données à choisir qui sont vraiment importantes pour faire une visualisation. OK, donc je vais vous présenter un peu à quoi ressemble l'interface. OK, l'interface de l'application visualiseur de données et un peu décortiquer là-dessus. Donc, voici à quoi ressemble l'application visualiseur d'événements dans le DHIS2. Donc, une fois dans l'application de l'application visualiseur d'événements, cette interface-là vous est présentée. Okay? Donc, en haut, dans le cadre où se trouve le type, on a les différentes formes, okay, de graphiques que vous pouvez représenter. Okay? On a premièrement le graphique linéaire qui est coché par défaut, okay? Et on a le graphique compilé, le graphique en camembert et en cercle, etc. Okay? Et après, on a la partie de données. Vous devez choisir le programme et après les données. Ensuite, on a les périodes à choisir, l'unité d'organisation. OK. Et dans le coin, dans l'autre partie, à gauche, on a les autres options. OK. Comme vous avez vu dans le rapport d'événement. À part ça, on a aussi d'autres parties où on doit passer du graphique au rapport d'événement. Donc, voici en grosso modo l'interface de l'application de rapport d'événement. Donc, lorsque vous devez entamer la création d'un graphique, vous devez avoir à l'esprit, OK, l'analyse type que vous devez faire, donc le résultat que vous attendez. Donc, une fois les données saisies, vous comparez le résultat à votre attente. Donc, voici ce qui est vraiment important, l'étape primordiale. Et de savoir le résultat final attendu avant de commencer. Okay? Donc, cela vous permettra de faire un bon choix du type de graphique parce que lorsque vous choisissez le graphique, ce graphique doit être parlant, c'est-à-dire le graphique doit révéler le résultat que vous attendez. Okay? Donc, après cela, lorsque vous avez choisi le graphique, vous devez aller dans la partie de données. Les données, ensuite période et unité d'organisation. Donc, vous devez faire les trois unités qui sont importantes pour avoir une représentation. Donc, vous choisissez premièrement le graphique, après la donnée, soit les données, la période et unité d'organisation. Okay. Donc, on a la partie option et la partie de mise en page qui vous permet de designer, okay, ou bien d'ajouter d'autres fonctionnalités ou bien d'autres options à la représentation, c'est-à-dire vous pouvez filtrer, okay, vous pouvez engencer, changer la position des données pour avoir un bon rendu. OK, donc on va passer maintenant à la démonstration sur l'application en question. OK, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci. Allô? Oui, allez-y.
S'il vous plaît, j'avais noté une question dans le chat. C'était par rapport aux limites. Je demandais de revenir un peu sur les limites de la visualisation des événements. Parce qu'il y avait des limites dont vous avez parlé. Je n'avais pas bien suivi la partie. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, dans la démonstration, je vous ferai part des limites qu'on a au niveau du visualiseur d'événements comparé au rapport d'événements. D'accord. Merci. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer à la démonstration. Ok, donc je repars dans l'application, dans l'accueil. Ok, donc. Lorsque vous vous connectez au DHS2, vous êtes sur le tableau de bord, vous venez dans la recherche d'application, OK? Donc, vous choisissez, vous pouvez chercher ici visualiseur et on a visualiseur d'événements. Donc, vous cliquez sur l'application visualiseur d'événements, OK? Donc, voici l'interface du visualiseur, OK? Donc, les informations qui sont vraiment primordiales ou importantes pour commencer ou bien pour avoir un rendu de graphique. Premièrement, en haut, vous choisissez le type de graphique que vous voulez. OK? Donc, vous choisissez le type de graphique que vous voulez. Par défaut, c'est sur le graphique en bâton. OK? Donc, il y a différents types que vous choisissez pour avoir un rendu voulu. OK? Donc, je laisse par défaut et je continue. La deuxième chose importante, c'est de venir choisir la donnée. Donc, dans la partie de données, vous choisissez premièrement le programme. OK? Donc, vous devez choisir le programme. Moi, je vais prendre le programme de suivi, surveillance basée sur les cas. OK? Le suivi des cas. Donc, voilà, surveillance basée sur les cas. Ensuite, on a la partie de stade. OK? Donc, le stade. Donc, on sait qu'un programme, le programme de surveillance basée sur les cas, comprend trois stades ici, quatre stades, pardon. On a examen clinique, demande de laboratoire, résultat et la fin qui est résultat de santé. Okay? Donc, une première des limites du visualiseur, c'est que vous n'avez pas la possibilité de choisir deux stades comme dans le rapport d'événement. Okay? Le rapport d'événement, une fois le programme choisi, vous pouvez lire ici, choisir, faire vos manipulations et choisir encore une autre étape. Mais le visualiseur ne vous donne pas cette opportunité-là. Vous n'avez qu'à choisir une seule étape et un seul élément, bon, plusieurs éléments dans ce stade en question. Voilà. Donc, moi, je vais prendre pour faire l'exercice, OK? Les résultats de labo. OK, bien, je suis le résultat de laboratoire. Maintenant, comme la partie éléments de données, je vais voir premièrement. Je vais prendre labo, résultat. Donc, voilà, résultat de test de laboratoire. OK? Donc, vous avez d'autres éléments. Donc, premièrement, vous devez savoir le résultat, le rendu que vous voulez. Donc, vous venez choisir les éléments dont vous avez besoin. Donc, moi, j'ai besoin de résultat de test, je clique, comme on le fait dans le rapport d'événement. OK? Ensuite, j'ai besoin du sexe. Donc, je viens ici, je cherche le sexe qui est un attribut, je clique et là, j'ai le sexe. OK? Ensuite, je passe à la période. Au niveau de la période, je vais décocher les 12 derniers mois qui est coché par défaut. Maintenant, je vais faire l'analyse sur l'année en cours. OK? L'année en cours, l'unité d'organisation. Je le laisse sur la OPDA. OK? Donc, voici les éléments qui sont indispensables et importants pour la réalisation d'un graphique. OK, je vais faire une mise à jour pour voir un peu le résultat. Donc, voilà ce que j'ai en rendu. OK. Maintenant, notez que, on a la possibilité, OK, de filtrer. Donc, je peux attribuer, je peux appliquer des filtres, OK, à ces éléments-là. OK, je pense que hier, avec Gary, vous l'avez vu dans les rapports d'événements. Donc, c'est le même processus qui se passe aussi dans le visualiseur. Donc, je viens ici. OK, je peux dire que premièrement, je vais appliquer sur le sexe. Je vais prendre féminin et masculin. OK, donc je prends féminin et masculin. Vous pouvez voir que sur mon graphique, à ce niveau, j'ai la partie féminine qui est en vert, masculin et qui est
en bleu, et j'ai les non applicables. Donc, les non applicables, c'est que lorsque l'enregistrement de la personne est fait, on n'a pas choisi son sexe. Donc, on a deux personnes, qui sont non applicables. Donc, comme moi, je veux faire les non applicables, je reviens au niveau de l'élément de données en question que j'applique le filtre de mâle et féminin, masculin et féminin. Pardon. Okay? Donc, je fais une mise à jour. Vous voyez, les deux ont disparu automatiquement. Okay? Donc, voilà, vous pouvez appliquer des filtres comme dans le rapport d'événement. Ensuite, je peux aussi vouloir changer. Donc, sachez qu'en gros... Donc, sachez qu'en gros, là, dans le, dans, en gros, au niveau du filtre... Ok, donc c'est sûr que là, dans la partie du haut, la ligne du haut, ok, l'onglet du haut, vous avez des éléments. Ces éléments-là sont aussi dans le rapport d'événement que vous avez vu. Donc, j'ai la, premièrement la partie de favori, ok. Donc, lorsque je clique sur favori, j'ai les options, c'est-à-dire ouvrir un graphique, enregistrer, enregistrer sous, ok. On a aussi la mise en page. Donc, au niveau de la mise en page, voici la mise en page. Je peux toutefois modifier, OK? Je peux décider de changer la place des éléments, OK? Par exemple, la période, si je peux mettre la période dans le filtre et ramener les résultats du test de laboratoire, par exemple, à ce niveau, OK? Donc, lorsque vous faites des manipulations, vous avez un rendu. Donc, à vous de faire des manipulations possibles pour avoir un rendu plus explicite. Okay? Donc, sachez que vous avez le champ libre de changer des places pour avoir un rendu explicite. Okay? Donc, à ce niveau, j'ai par exemple les non-concluants, les négatifs, les positifs, les non-réalisables qui sont en ligne. Okay? Donc, ici, je peux toutefois lire, par exemple, au niveau du résultat, en même temps, je vois les sexes masculins pour les sexes masculins et féminins des positifs, ok? Et je vois les sexes masculins et féminins des non concluants, ok? Donc vous avez la possibilité de changer la place dans la mise en page pour avoir le rendu plus explicite. Donc, on a aussi la partie des options. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Donc, ce sont les mêmes options que vous avez dans le rapport d'événement, que vous avez vu dans la section d'hier. Okay? Donc, vous pouvez afficher les valeurs, utiliser la valeur ampulée. Okay? Donc, vous pouvez utiliser... les valeurs ampulées en son, donc c'est-à-dire que l'échelle va changer, ok? Et vous pouvez aussi utiliser les valeurs cumulatives. Donc ici, c'est masquer les données non applicables. Donc dans le cas du sexe, par exemple, qui est non applicable, vous pouvez le masquer à ce niveau. Donc lorsque vous choisissez masquer les données non applicables, vous n'aurez plus les données non choisies, ok? Donc, ici, inclut seulement les événements complets. Donc, ça veut dire que lorsque l'événement du programme, soit tracker ou soit du programme événement, a été complété. Donc, lorsque, lors de l'enregistrement de l'événement, l'événement doit être complété. C'est-à-dire que vous devez appuyer sur le bouton compléter avant qu'il ne le comptabilise dans le calcul. OK? Donc, ici, masquer les catégories vides. Donc, les champs qui sont vides, on aura à les masquer. OK? Donc, ici, vous pouvez modifier, OK, l'échelle. Ici, vous pouvez donner la valeur de l'échelle en haut, OK. Vous pouvez donner aussi un titre à l'échelle du haut, par exemple. Ici, quand vous choisissez l'écart, vous donnez un nom. Ici aussi, vous pouvez donner l'écart que doit prendre l'échelle du bas et vous donnez son nom. Vous pouvez renommer. Vous pouvez renommer le repère, voilà, le repère sur lequel se présente le graphique. Okay. Donc,
On a beaucoup d'options à ce niveau. Je ne vais pas trop m'attarder. J'ai un peu le temps. Donc, je continue. On a aussi la possibilité de télécharger. Okay, vous avez la possibilité de télécharger en image, en PDF et aussi on a les autres formats ici avec lesquels vous pouvez faire des téléchargements. Okay, voici. Donc, je reviens. Je reviens, je continue. Okay. Donc, maintenant, je vais essayer d'enlever, par exemple, le sexe. Donc, j'enlève le sexe, OK? Et je vais changer de diagramme. Donc, j'ai gardé les résultats de test de laboratoire seul, OK? Je veux voir le test. Je n'ai pas besoin de désagréger par sexe. Je ne veux pas désagréger, par exemple, par sexe, OK? Donc, je viens à ce niveau. Donc, je viens à ce niveau. Je vais changer par le diagramme en commentaire, OK? Donc, quand je prends le diagramme en commentaire, je vais essayer de faire une mise à jour. Je clique sur mise à jour. OK. Donc, il me dit qu'il y a un problème. Donc, lorsque ça ne passe pas, je reviens dans la mise en page. Je vois que la partie de dimension ferrée n'y est plus. Mais toujours besoin de la ligne sur le repère. Donc, je dois juste modifier les informations. Donc, je peux prendre par exemple la période. Que je mets à ce niveau. Donc, je fais mise à jour. Voilà. Donc, voici le résultat que j'ai. OK. Donc, voici, je vois que les résultats de laboratoire qui sont non concluants occupent 49,9% du total des résultats faits. Tandis que les résultats qui sont positifs, OK, les résultats positifs occupent plus de 55%. Donc, plus de la moitié des résultats, de tous les résultats qui sont faits dans l'année en cours. Okay? Et par contre, on n'a pas de test négatif qui a résulté. Et donc, ça veut dire que lors de la réalisation des tests de laboratoire, les tests ne sont pas sortis négatifs pour aucun cas suspect. Donc, voilà. De même que non applicable. Donc, voici un rendu que vous pouvez avoir aussi, okay, avec les diagrammes, avec la visualisation dans le visualiseur événement. Donc, comme je le dis et je le répète encore, vous devez faire des modifications, c'est-à-dire au niveau de la mise en page pour avoir un rendu, okay, plus explicite et plus communicatif. Parce que, par exemple, si à ce niveau, je change la place de période et de résultat. Quand je fais une mise à jour, vous voyez, j'ai juste rien du tout. J'ai juste non concluant qui est là, qui est à 100%. Or, c'est faux. Okay? Ce résultat-là que le graphique me donne n'est pas du tout explicite. N'est pas du tout explicite et c'est un résultat qui est faux. Donc, vous avez la partie de mise en page pour faire plus. Pour faire plus de jonglage ou de changement de place pour avoir un rendu plus explicite. Donc, lorsque vous choisissez le graphique, okay, premièrement, même le choix du graphique est très important. Donc, vous devez savoir quel graphique choisir pour faire l'analyse. Et après, vous devez faire des mises en page pour avoir un résultat plus explicite. Ok, est-ce que vous avez des questions? Ça peut aller pour le moment. Ok, merci beaucoup. Une autre question, et Sylvia, est-ce que vous m'entendez alors? Allez-y. Si on va faire le détail avec le sexe, alors dans cette graphe à Carambell, est-il possible alors de voir, puisque vous avez enlevé le sexe, alors, mais si on va voir le détail de chaque graphe, voilà les parties masculines, voilà les parties féminines, est-ce que ce sera possible?
Oui, ce serait possible avec Avec ce type de le graphique. sexe. Avec ce type de graphique. Ici, avec ce type de graphique-là, on ne peut pas encore ajouter le sexe. Ça veut dire que quand je vais ajouter le sexe va être en filtre. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir à séparer le graphe-là. Hein. Je ne peux pas le séparer en test positif et en même temps en masculin, par exemple. Vous voyez? Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Donc, je peux choisir juste que le sexe, par exemple. Je peux venir et choisir que le sexe. Donc, je peux prendre juste le sexe et donc j'aurai le sexe. J'aurai le sexe comme ça. Attendez. J'aurai le sexe comme ça. Vous voyez, masculin et féminin. Donc, ça, c'est le nombre total de cas qui est enregistré et qui ont fait un test de laboratoire masculin et féminin. Vous voyez, c'est moitié-moitié. OK, d'autres questions? D'autres questions? OK, s'il n'y a pas de questions, je vais un peu revenir sur la présentation pour vous montrer les limites, OK? Les différentes limites que nous avons au niveau du visualiseur d'événements. Donc, premièrement, j'ai listé le premier, c'est la possibilité de ne pas. C'est la possibilité qu'offre le rapport d'événements de choisir deux événements, okay, pour choisir les éléments de données et faire l'analyse. Or, ici, dans le visualiseur, on n'a pas l'opportunité d'avoir de stats. Okay? On ne peut pas choisir deux stats en même temps. Et donc, ça, c'est le premier. Donc, le deuxième, c'est que vous n'avez pas la possibilité du line listing, c'est-à-dire la liste que vous avez dans le rapport d'événement, avoir les cas individuels. Donc, vous l'avez vu hier. Au niveau du rapport d'événement, vous pouvez prendre la liste, okay? Et vous avez toutes les personnes qui respectent le filtre qui sortiront. Okay? Cette partie, on n'a pas la partie de line listing qui nous est offerte. Ensuite de ça, vous n'avez pas la possibilité de faire l'analyse sur le cas entity, c'est-à-dire que vous devez prendre, vous avez la possibilité de prendre enroulement ou soit événement dans le rapport d'événement. Ici, on n'a pas cette possibilité de faire l'analyse sur l'enroulement. Okay? C'est uniquement que les événements. Donc, il va juste compter les événements. Okay? On n'a pas la possibilité de faire l'analyse sur la personne, mais les enroulements qui sont faits dans le système. Donc, voici les trois limites qui sont dans la partie de visualiseur d'événements. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour évaluer l'image, c'est-à-dire l'image là,